Un nouveau jeu Naruto sur mobile vient d'être annoncé par Bandai. Il porte le nom de Naruto Ultimate Ninja Storm. Je découvre avec vous le trailer et je vous dis comment se préinscrire. Dans tout cas, c'est très très simple, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il est déjà disponible en préinscription, c'est parti! Oh la folie! Oh là 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 là! Depuis tant qu'on attendait! Ils ont réussi à l'adapter pour mobile, c'est vraiment incroyable! Ça fait penser vraiment au premier Naruto Storm, vraiment! Enfin, forcément c'est le même, mais... Oh, un open world! Pour le mode histoire! Mais du coup, il n'y aura que les personnages de Naruto! Les Naruto Shippuden ne sera pas introduit. Intéressant. Et du coup, le système sera comment? Un système de gacha? Avec 5 doublons? Ou un système de cartes avec les Naruto Kibs? Naruto Boruto... j'ai oublié le blaze. Voltage. Because they saved me from myself. From my loneliness. They were the first to accept me for who I am. A bond? If that's how it is, then I'll just have to sever that bond. Et faut vraiment voir comment ça peut se développer. Parce que si c'est uniquement Naruto, ça va être compliqué. Ok. C'est intéressant. Là, il y a des choses intéressantes dans la description sur le Play Store. Mode combat libre, prenez part à d'exaltants combats grâce au puissant ninjutsu de 25 personnages uniques de Naruto à rencontrer dans son enfance et 10 personnages de soutien. Changement apporté à la version mobile, l'utilisation du ninjutsu de technique secrète a été facilitée. Il suffit d'appuyer dessus pour les déclencher, ouais, comme on l'a vu dans le gameplay, pas de problème. Ajout de la sauvegarde automatique, ajout du choix du mode de combat simple ou manuel. Ajout de la fonctionnalité de soutien, amélioration de la maniabilité au combat et lors des déplacements libres, ajout de la fonctionnalité réessayée pour les missions, amélioration de l'interface des mini-jeux et amélioration du tutoriel. Ok. Jouable en solo uniquement, pas de mode de combat en ligne, à part lors du téléchargement, on aura besoin de la connexion. Ok. Mais du coup, il n'y aura pas de système d'invocation. Ok. Cryware. Bandai Namco. Ok. Et il y a un dernier truc. Ok. C'est dommage. Je vais voir s'il était disponible. Ça aurait été dommage parce qu'on aurait pu savoir s'ils allaient introduire justement un système de microtransactions. Effectuer certaines opérations peut mener au plantage de l'opération. Ok. Ah, c'est un jeu payant. Ça va être un jeu payant. Ok, il commence à introduire le même système que sur PS. Ouais, c'est ça, PS, du coup, Sony, PlayStation et Xbox, quoi. Ah, c'est dommage si le jeu compte le faire payant. À l'exception, à part, parce que là, il y a annulé préinscription. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent un problème de surbrillance peut soit ok. Mais c'est très très bizarre. Et là, quand j'essaie de l'ouvrir, quand j'essaie d'ouvrir le truc de Apple Store, ça m'a pas l'air de marcher. Ouais, bon. Faudra voir.
ils vont annoncer la date de sortie. Normalement, on doit avoir une date de sortie pour ceux qui sont sur Android. Enfin, iOS, Apple, quoi. Et ok, le jeu sort en français. C'est pas mal. Bon, voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. C'est très rapide. Je vais pas aller chercher les minutes pour mettre les pubs. Mais ouais. Ok. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.